salutations YouTube. Après notre déception avec Tainted Lazarus, tentons Hush. Méga Satan. Avec Judas. Tainted Judas. Ah, Tainted Judas, il a quoi? Il a les Dark Hearts. Et les Dark Hearts, donc, c'est, ça le fait passer en forme d'ombre. Et il gagne... En forme d'ombre, il fait beaucoup de dégâts. Et prend également dégâts up temporaires à travers tous les ennemis qu'il a traversés, ainsi que les larmes adverses. Donc, il y a moyen, entre guillemets, de snowball quelques salles. Ah non, je croyais que c'était un Burning Basement, c'était un cellier. Bon, c'est pas grave. Curse of the Blind, regardez. L'objet est extraordinaire. Oh, l'objet est pas mal, en vrai. Sport Shot, c'est cool, non? Attends, mais c'est dépendant de la chance? Non, c'est tous les tirs? Oui, non, voilà. Oui, c'est ça, dépendant de la chance un peu quand même. Donc, Dark Arts, hop, tac. Voilà, j'ai fait ça, j'ai gagné un de dégâts, et ça descend très vite. Mais si j'avais traversé plein de monde, j'aurais gagné beaucoup plus. Donc, ça serait parti moins vite. En Sport Shot, c'est très très cool. We have the starter. Je vais m'en contenter. Je ne sais plus si il peut avoir des cœurs rouges. Tainted Judas. Je crois que non, mais peut-être. Vous allez me le dire. Non, il peut pas. Hein. Donc ce cœur bleu est pas inintéressant. Et il est rapide. Hein? Pourquoi il a cancel tout de suite? Ah, ça cancel si je tire, c'est ça? Absolument que je lâche la touche de tir. Donc voilà, plus 2 de dégâts. Ça s'en va, mais c'est cool, hein. J'ai touché que ça. Je suis un peu déçu. Oh, magnifique. C'est de l'opti, ça. Et on pourrait acheter le cœur bleu. Je peux l'acheter d'ailleurs. Machine de dos en PLS. Oui, oui, il faut que je me fasse du Tainted Keeper, mais offline. Hein. De toute façon, on va jouer Godroom. Hein. Je crois qu'on n'a pas le choix. Bah, surtout si je veux faire Mega Satan après Hush. Donc, oui. Non, 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 alors ça c'est trop ça. The King of the Bouffe. Ah, dommage, j'avais réussi à optimiser les dégâts. Ah oui, il a peu de range, ça c'est un de ses problèmes. Oui, les salapiques, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire les curses avec ça. Innocent. Pas de bombe, dommage. À Méditer. C'est laquelle? C'est la bleue, c'est la pire. Enfin, elle est à distance, mais elle fait très peu de dégâts. Échelle de corne là. Oh, voilà, c'est le problème. C'est le seul problème, c'est la sortie. Faut pas faire de la merde comme là. Ah, fais chier.
Je sais pas pourquoi je continue. Suite le choc, il y a peu d'intérêt en réalité. Sauf un petit cœur bleu encore, mais... Arrgh. J'avais le truc en plus. J'ai deux clés. J'ai fait l'item room, on est d'accord. Oui, c'était la mouche à merde. On va faire ça. Nice. Parce qu'envie d'aller faire le shop, du coup, on sait jamais. Hein. Mamma méga. Mamma méga, ça ouvre Hush, hein. Donc je peux prendre mon temps, quoi. Est-ce que je vais avoir 15 balles? Attention, déception incoming. Non, maintenant, avec le nouveau système, c'est sûr. Pas m'acheter le cœur, par contre. Je peux prendre la clé. Bon, vu que je peux prendre mon temps, on va voir si on peut pas miraculeusement trouver un nickel ou deux pièces. On l'a une. En voilà deux. Ok. Oh, mais je suis con, ouais. Faut que j'attende surtout qu'elle m'envoie 12 000. Voilà. Genre là, c'était le moment pour profiter des larmes. De la vitesse, j'en avais déjà bien assez. J'aurais préféré des dégâts. Et je veux des Godrooms. Et j'ai que deux bombes. Coffre dans Cursed. Oh putain, amnésique. Et en plus, je pouvais avoir des cœurs dans les flammes bleues. Putain. Oh, c'est trop grave, ça. Ça serait bien de l'amener là où il faut. Ok, je suis pas vénère, J'avais pris une carte, donc j'étais plus sur les dark cards. Je viens de perdre un cœur et demi en deux salles. De la pire des manières, je suis pas du tout énervé. Alors que tout se passait bien jusqu'ici. D'accord, bon bah vas-y. Hein. On reset. Vas-y, on reset. Hop là, voilà. Non, c'est bon. Ça me saoule ce qui vient de se passer là, c'est vraiment pathétique. Ah, c'est vrai qu'en plus quand je fais le Dark Art, je peux profiter de ma boule de pansement. Ok, bro. Lucky Penny. Oh là là, mais j'ai perdu tellement de vie, c'est vraiment pathétique. Non, vraiment. Elle a failli y passer encore. Hein. Ça me casse les burnes, ces deux cœurs. Et surtout la Curse Room à l'étage d'avant, hein, qui garantit m'en aurait donné au moins un, je pense. Au moins. Ça, c'est vraiment
Une faute grave. Ok, le poison c'est cool. Ah, c'est gravissime cette curse room là, et ses touches. Je suis salé. À chier. D'accord. Je vais bien. J'entends. Oh, mais vous voyez que dalle. Non, oui, allez, vas-y, j'en ai rien à foutre. Perdu de la range. C'est un demi-cœur noir. Ok. Hop là. Ouais. Pas dingo. Enfin, le diplo est rigolo, mais. Rigolo, rigolo, quoi. Désolé, je regardais un message pathétique qui était mal écrit. Mais bon, la personne a plus de 1000 messages sur le chat, donc ça veut dire qu'elle doit être tolérable. Alors. Eh ben, on est mort, voilà. Ça me saoulait, on recommence. Alors, attendez, parce que là, il peut y avoir des dingueries. Voilà. Hop. Non, mais c'est bon, on a le droit de rigoler. Est-ce qu'on a... non, on n'a plus le droit de rigoler, c'est vrai. Ok. Alors. Ça, c'est marrant, ça. J'ai utilisé Darkcast, ça n'a pas marché. Oui, parce qu'il n'avait pas... Il avait pas rechargé. Ah, malin. Alors, rappelez-moi, alors la règle des Red Secret, c'est que c'est à l'extrémité d'un niveau, mais à une case, c'est ça? Genre là, typiquement, elle peut pas être à gauche de la Curse Room, directement. Ah, mais là, je peux pas l'utiliser, c'est bien normal? En général, proche d'une salle spéciale, genre shop. C'est une blague? Mais faut qu'elle puisse toucher deux salles, donc là ce que je fais c'est ridicule. Et d'un autre côté, je voulais l'utiliser early vu qu'il faut deux utilisations minimum, quoi. À moins que le niveau continue à gauche. Non. Il me faudrait une batterie, ça serait incroyable. Ah, j'ai 10 balles. Oh. Non mais il est... Je peux pas me permettre de foutre des soul arts là-dedans. Ah, moi je dirais 2 en dessous de l'item... Au-dessus de l'item room. Ah non. Parce que au-dessus de l'item room, je pouvais pas créer. Ou si? Ah putain, 2 au-dessus de l'item room et 2 à gauche du shop. Ça, c'est possible. Ah putain, si j'avais fait au-dessus.
Ah ouais. Il y avait pas de batterie au shop. Oh. Et le pire c'est que j'avais assez de salles. Parce que ça compte pour deux. J'avais assez de salles pour faire les deux utilisations. Oh là là. C'est triste hein. C'est very sage. Ah, la Red Secret s'ouvre tôt. Ouais, mais c'est trop tard. Ah non, ça va fonctionner. Oh oui, mais oui. Bravo. C'est pas censé être des objets craqués, genre God Room, machin. Que des objets rouges. Ah oui, c'est ça l'idée. Plus maintenant, c'est que des objets rouges. Ah oui, d'accord. C'est exactement ce que je vous disais. Plus le jeu est patché, plus c'est impossible de gagner. Ça fait plaisir. Non, non. Ah. Plus le jeu avance, plus il est nerfé, quoi. Donc en fait, si t'as pas fait le 1000% au début, ben c'est deux fois plus dur. Ça fait plaisir. C'est pas chiant en tout cas. C'est vrai que son manque de range, il est incroyable. Hein. C'est... Oh, oh, oh. Mon Dieu, que c'est nul. Accélère, tu vas pas avoir Hush. Ah mais oui, c'est vrai! Oh là là, mais oui, parce que tout à l'heure on a vu Mama Mega. Non mais je suis à 4,55. Non mais vas-y, hein, on s'en fout, on va juste jouer à Mega Satan alors. Mother que je peux faire avec lui. Ouais, j'ai 4 clés. Oui. Et Mother, c'est... Mother et les étages de Mother, c'est vraiment ce que je connais le moins. Hein. Il faut bien se lancer, hein, bien sûr. Pas chiant, en tout cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai appuyé sur la touche de tir. Oh. Dégoûté. Hein. Ah oui, la secrète, oui, on peut les repérer quand on peut justement pas utiliser l'objet. Il n'y a pas la porte rouge, mais j'ai pas de bombe. Des clés, par contre, ça en a, c'est sûr. Oh là là, c'est dramatique.
très intéressé par l'objet à 15. Allez hop, hein, la machine de don. On l'aime au village. Il y a une batterie en promo, ça c'est une très bonne nouvelle. Reste plus qu'à essayer de repérer. Je suis dégoûté là, cette histoire de God Item par défaut. Oui, il y a des bons objets rouges, mais des merdiques, il y en a à bas là aussi. Hein. Déjà kamikaze, hein. Ça fait plaisir. Et ça, c'est très bien. On a de la luck. Alors. Il peut être connecté à deux salles. C'est ça l'idée. Donc à droite, là. La batterie. Oh, on voit le familier. Ah c'est ça, Charged Baby, il faut juste patienter dans une salle. Ah, en vrai, il est craqué. Sinon... Attends, mais sinon... À gauche, genre... Moi, ce que je vois, ça serait... Là, à gauche, non, on est d'accord. Ah, mais je peux pas. Gauche de la sacrifice. Mais putain de bide de chiotte. C'est vraiment le meilleur moment pour regarder la map. Hein. Je peux pas en haut. Ce qui est pas surprenant parce que c'est une petite salle là, c'est une salle... Donc je sais même pas pourquoi j'y suis allé parce que je savais que c'était pas possible. En bas de cette salle, en bas de cette salle... Ah non, ça fonctionne pas. Ah si, attendez. Mais non. Parce que la salle en bas de ça serait... Il y a rien. Oui, c'est sous le... sous le shop. Mais comment ça, sous le shop? Ça peut être... Ben non, ça peut pas être relié à une autre salle rouge, je comprends plus rien. En haut du shop, ben non, ça n'a aucun sens. Bon. En... Il faut que la secret room soit connectée à deux salles, c'est bien ça que vous m'avez dit. Enfin, soit connectée à deux salles qui sont connectées à une salle chacune. Ah oui, mais il peut y avoir la super secrète. Oh non, putain, mais j'en ai marre de cette grande salle. Pitié. Putain. Ah mais attendez, il y a un truc qui se tient. Non, pas du tout. Parce que bon, non mais là, il peut même pas y avoir la super secrète. Mais là, il peut... Non, bah non, si on me propose, il peut y avoir. Bas gauche, grande salle, c'est quasi sûr. Oh non, mais c'est trop, là. Ah oui, ok. Mais va te faire... Mais utilise ton objet, du con. Ok. Super content, en tout cas, de perdre toute ma vie. Trop trop bien cette grande salle là. Hâte d'y retourner là. Non mais l'objet rouge va être extraordinaire, on va rien regretter. Oh c'est bien.
Ah mais attends, non, non. Ah oui, non, j'allais dire ça me fait perdre de la range. Non, c'est juste... Il peut y avoir des clés ou des trucs là-dedans. Ou des pièces, plutôt. De toute façon, de la range, j'en ai pas, donc... Là, au moins, ça va me rendre très fort. De près. Bravo. Bravo, on a bien bossé. Mais du coup, faut que je parte vers Mother avec deux cœurs et demi, là. Oh là là. En plus, Mother, je connais rien. Ça m'angoisse au plus haut point. Oh, par contre, ce qu'on lui a mis, je le souhaite à personne. Plus 7 de range. Mais seulement pour un œil. Ah bah non, de manière générale. Hein. Bon, on est content. Fais méga Satan. Non mais vas-y, hein, gogo. Faire méga Satan tout seul, c'est triste. Il faut qu'on trouve une run folle où on peut faire les Hush et méga Satan. Mother de près. Ouais, non mais on va improviser. Faut que je trouve deux bombes, by the way. Look le DD, non, non, je passe un Angel Room forcé. Qui est clairement un remix du donjon de Zelda. Hein. Les vrais savent. Ça marche pas, non, Dark Arts pour ouvrir cette merde. Dommage. Non, c'est bâtard ça. Pas l'autre Penny. J'ai quoi? Mais non mais, du con. En vrai. Donc ça nous rapporte de la thune. J'ai eu peur. Hein. Voilà, boussole. Oh la boussole, ça serait incroyable. Ça va être dur d'avoir l'argent par contre. Mais la boussole serait extraordinaire. Je perds des charges, oui, il faudrait que je piffe, mais... Gauche du shop, ouais, ça se tente, hein. Non, bas du shop, vous me dites? Ah, parce que... Ça compte. Putain, mais c'est un build revenge qui me propose, là. Ça m'angoisse. En bas du shop, ça peut fonctionner parce que... Ah oui, en bas du shop, vous me dites. Putain. Parce que la salle... Putain, attendez, je vais essayer de formuler ça bien. C'est connecté à deux salles de deux salles, mais la salle...
Ok, mais les deux salles ne peuvent être qu'une salle. Est-ce que vous avez compris? Attention, hein. C'est compliqué. En fait, voilà, typiquement, en faisant ce raisonnement d'aller en bas, on acceptait le fait que, plutôt qu'il y ait deux salles distinctes avant la Red Secret, et ben cette salle faisait le taf des deux salles. En bas de l'item room. Oui, non, mais si c'était en bas de l'item room, il me l'aurait proposé, là. Elle se serait ouverte. Oh, quelle horreur. Okay. Je rêve d'une batterie. Et d'une banque. Ah, c'est vrai que j'ai mon petit bounty, là. Faut faire le bounty. Non mais cette run, on prend tellement de plaisir sur ce run. Bon, un boss et on en reparle, hein. Oh mais de près je fais de ces dégâts. C'est légendaire, hein. Putain, mais c'est les mêmes objets que sur l'autre run. Bon, j'ai de meilleurs objets à côté, heureusement, mais et pas de Godroom. Bah, vas-y, on va la prendre, t'as qu'à faire une pile de mort, là. Bon. Alors. Pour moi, elle peut pas être attenante. Les salles attenantes ne peuvent être attenantes à des corridors étroits. Donc si on part de ce principe, moi je dirais que c'est en bas de la salle du miroir. Ouais. Ah non, ça fonctionne pas. Si, attends. Ah non, ça fonctionne. Mais non, parce que à ce moment-là, par rapport à la salle de défi, y a aucun rapport. Faut trouver les secrets, j'ai zéro bombe. À droite de l'item. Je comprends pas comment ça pourrait fonctionner à droite de l'item room. Vu que la salle voisine à droite serait directement voisine de la challenge room. À gauche du shop, j'entends. Ah bah non, c'est exactement le même problème. Gauche du shop, si la super secrète est à gauche de la salle avant le boss. Ah oui! Là, je comprends. En vrai, moi, j'y crois. Attendez. Non, mais c'est sûr. Ah non! On est bien d'accord que si je peux utiliser ma red key là, ça veut dire que la super secrète n'est pas là. Et donc, faute. Donc la secret room, elle est là. Ici. C'est vraiment cauchemardesque. Attends, mais elle est où la super secrète alors d'ailleurs? Elle est en haut là. Oui. Donc si elle est en haut, eh ben on se fait chier. Parce que j'avais dit que ça pouvait pas être à côté du corridor étroit. En bas du miroir, la rat secrète. Alors c'était mon idée de base. Mais du coup, vu qu'on sait qu'il y a, les secrets sont à gauche, c'est pas possible. Vu qu'elle est censée s'ouvrir directement. Et que là, si je vais si j'ouvre en bas du miroir, ou ici d'ailleurs, bah je serai voisin. En bas, je serai voisin de la challenge room.
Et à droite, à moins qu'on repart sur la théorie de les deux salles attenantes peuvent être qu'une salle. C'est ça ? À gauche de la curse. Non mais pour moi les salles étroites, on peut pas créer de room. Ouais voilà, là c'est pas le cas ici. Et c'est pas le cas là. Donc les salles étroites, faut les oublier. Ah, les deux salles ne peuvent pas être une salle, nous dit Aonins. Donc si... Parce que l'idée, je vais essayer de vous expliquer ça. Ah bah oui, pour une fois, le curseur de souris va nous servir. Regardez. En gros, la théorie de la Red Secret, c'est qu'elle se trouve à une salle d'écart d'un bord de la map. Donc typiquement, on dirait que là, il y a une salle vide, et là, il y aurait la Red Secret. Sauf que non, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que elle doit être à une salle, enfin à deux salles d'écart de deux salles existantes. D'accord ? Et moi, ce que je demandais tout à l'heure, c'est est-ce que ces deux salles d'écart pouvaient être qu'une salle ? Parce que si on dit qu'il y a qu'une salle, bah là, typiquement, on pourrait dire « Ah oui, bah, vu que là, ça fait deux salles d'écart avec la salle du miroir, et là, ça fait deux salles d'écart avec cette salle blanche ici, on pourrait dire salle blanche. That's racist. » Ah non, that's racist. Bon, on arrête. Et du coup, là, du coup, on pourrait se dire, oui, c'est la Red Secret. Sauf que, non, parce que les deux salles ne peuvent pas être une salle. Et là, si. Alors, là, vous me dites si. Les deux salles peuvent être une salle. Mais si les deux salles peuvent être une salle, c'est-à-dire qu'à gauche du shop, ça pouvait fonctionner. C'est ce que je demandais tout à l'heure. Mais les deux salles sont pas une salle, là. Bah si. Là, on pourrait dire que si la Red Secret était potentiellement là, on a bien deux salles d'écart avec le miroir et deux salles d'écart avec la salle en blanc. Sous l'item room, non, c'est stupide. Sous l'item room, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que si on part du principe que c'est à deux salles du shop, elle serait là. Et vu qu'on a ouvert ici, le passage vers la Red Secret se serait ouvert automatiquement. Donc sous l'item room, c'est impossible. Près du boss, c'est pas possible non plus. Ah, si elle est en bas à droite. Ah, si elle est là. Oui, mais là. Si elle... si elle était là. Eh ben, ça n'aurait pas de sens, parce qu'elle ne serait à deux cases que de l'item room. Et à trois cases de la challenge room. Does not compute. Si, c'est possible. Mais pourquoi ? Mais de quel droit ça marche ? À deux cases de la même case. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Comment ça ? On m'avait dit que c'était forcément deux salles différentes et maintenant vous me... Ah, ça va être une belle VOD, ça, encore. Vous savez quoi ? Elle est à gauche du shop. Non, mais je préfère tout de suite qu'on arrête ce débat. Quoi, non ? Pourquoi elle serait pas à gauche du shop ? Je pouvais raid qui là et là. N'est-ce pas ? Et là, je peux raid qui ? Et là... Ah bah non ! Ah oui, non, vous avez raison. Je dis des conneries.
Parce que oui, à ce moment-là, on serait à 3 cases si elle était là. Et elle ne peut pas être là, vu que là, elle serait attenante. Donc c'est jamais à gauche du shop. Ok. Donc, c'est en bas du miroir. Non, ça fonctionne pas non plus. Sauf si on se dit que celle-ci compte. Et là, on est à 2 cases de cette salle et 2 cases du miroir. Non mais c'est le miroir, mais moi c'est le miroir, depuis tout à l'heure je vous dis que c'est le miroir, bordel. C'est quand même dingue. C'est la Red Curse. Mais la... Putain, j'ai failli me faire niquer, hein. Mais la Red Curse into the secret. Pas du tout. Un objet. Un objet qui nous fait chier. Pourquoi c'est que des objets qui me nique, mais... Le miroir était là où devait être la Red Room, donc c'était impossible qu'elle soit là. Mais comment ça encore? C'est pas forcément... C'est pas forcément à deux salles spéciales. Ah, je pourrais recharger en Lost. Oui. Bon, je vous laisse débattre sur où ça se trouve, hein, bien sûr. Ah, de toute façon, là, je suis obligé de faire en Lost parce que j'ai pas de bombe. Ah oui, mais je pourrais, si je veux, repasser par cave, hein, c'est ça. Ah oui, attendez, mais bon, allez, c'est bon. Ok. Alors, c'était où déjà? Oui. Stylé ce Lost. Red Key into Boss Challenge. Ah oui, c'est vrai que je pourrais atteindre la salle de défi grâce à ma Red Key. Ça, c'est très réel. Bon. Ah mais en plus, oui, je peux vraiment full opti, là. Peur. Bon, avant de faire la challenge room, on va... Putain, 29 minutes 38. Alors... Sous l'item room, c'est ça? Ok. Attendez, parce que sous l'item room... Non mais ça me trouve le U! Attendez, j'arrive pas à comprendre la logique derrière. Comment elle peut être sous l'item room? Comment... Si on suit la logique de... oui, machin mes couilles... Il faut que ça soit à deux salles. En haut à droite de la boss room. Mais pour moi, ça peut pas être... Le boss fait pas partie de l'équation, normalement. Ça exclut le... C'est exclu, le boss, non? Non, pas la boss room. Ensuite, on sait que la secret room... Les deux secret rooms... Ah, attendez, il y a peut-être un bail. Là, on avait dit que ça, c'est secret. Super secret. Et là, c'est secret. Ah, le problème, c'est que j'ai besoin de bombes.
Oui, non, mais c'est pas possible parce qu'il y a le corridor de mes couilles. À moins que le corridor... À moins que le corridor étroit de mes couilles soit également exclu de l'équation et que par miracle, on ne sait comment, il serait possible que là soit la Red Secret, malgré le fait qu'il y a un corridor. Non, non, moi, pas connecté au Secret Room non plus, d'accord. Alors, à ce moment-là... Non, on a dit gauche de la cœur, c'est pas possible, les salles étroites, on peut pas les red-key. Hein, on peut pas red-key dedans. Alors, expliquez-moi encore une fois... Comment ça peut être en bas de l'item room? Parce que là, ça sera à deux salles de l'item room. Mais là, on sait qu'elle c'est pas là. Ici, ça ne serait qu'à deux salles que de l'item room. Et là aussi. C'est pour ça que ça me rend dingue. Droite item room co avec le challenge. Bah non. Parce que... Il faut qu'elle soit à deux de l'item room. Donc si je vais là... Bah là, c'est collé. Là, c'est collé. Et là, c'est trop loin de la challenge. Deux salles rouges sur l'item room, ça marche. Ah, parce qu'il y a des exceptions. Droite. Pourquoi je vous écoute, hein? C'est très grave, hein? Tête de bronze, quoi. Ah, Super Bullman, 400 bitcoins. Merci beaucoup. Alors, en gros, la Red Secret doit être accessible depuis deux salles. Donc, le miroir empêchait la Red. Donc, impossible. Ma théorie, c'est à gauche de la grande salle, sous le boss... Et elle serait du coup, en bas à gauche, accessible par deux coups de red key. Comment, mais depuis quand on met deux coups de red key? Mais c'est scandaleux! Ah oui, un seul coup. Mais du coup, elle serait connectée... Mais du... C'est... Tu me dis de red key là? Mais du coup, si on red key là, bah là, il y a deux salles que de ça. Là, c'est collé et là, c'est collé au shop. Ah, j'en peux plus de cette merde. On aurait mieux fait de faire la challenge room, hein. En diagonale, en bas à gauche de la grande salle. Oui, là, c'est là que vous me dites c'est là. Ah, mais vous voulez dire que deux extrémités, ça compte? Bah non, mais pas du tout. Ah, j'en ai plein le huc. Bon, je pense qu'on aurait pu faire cette challenge room tranquillou, quoi. Et que là, on va encore faire ça et être très déçu. Vous avez peur. Si je fais de la challenge room, ça me fait deux charges. Oh là là, oh le génie! Voire trois! Faudrait mieux trois d'ailleurs s'il n'y a pas de boss.
Alors ça. Alors ça. Fais-moi les malades. Oh. Mais. Oh, je déteste ces ennemis, c'est officiel, ok. Mais alors peut-être que la Curse Room. Ah oui, alors en plus on... peut-être que la Curse Room, la Red Curse Room compte comme une nouvelle salle. Oh, OK, ça c'est un bel objet. Voilà, avec les Dark Arts, on va prendre énormément de dégâts du coup, hein. Oh, le jus de Jésus. Mais tous ces boss là, je les connais pas. Reste calme, parce que je suis surpuissant. Ça valait le coup, hein. Il est temps pour moi de mourir contre le boss que je vais grider alors j'en ai pas besoin. Les secrets. Oui, maintenant j'ai des bombes, je vais pouvoir le faire. Oh! Boussole! I'm rich! Ah oui, il y a le Steelblood qui proc en plus. Oh, les dégages. Attends, est-ce que ça peut pas être une... Ça me fait extrêmement peur, cette description. Parce que des objets à une ou deux charges, il y en a des merdiques aussi, hein. Ça a l'air cursed. Ok. On a été bon. 38 minutes 10. On va sortir de down pour 2. Est-ce que... Donc là, en gros... Je peux faire... C'est quoi déjà? Je peux faire cave 2 into... into mine 2. Ou bien mine 1, mine 2, c'est ça? Qu'est-ce qui est le mieux? Oui, je vais faire la secrète. Ah oui, la boussole, ça va nous permettre de théorie crafter directement. C'est vraiment la mort du fun. Ah mais non, pas la boussole, il me faudrait la treasure map en fait. Mais si, quand même un peu. Garde de bombes au cas où, oui. Faut que j'arrête. Aucune pareille. Oh, je me suis tellement baisé. Moi, j'ai que 3 cœurs, c'est un scandale. Au moins une, mais pas besoin de piffer quoi que ce soit là. À moins que vous me dites, si vous me dites qu'il y a une règle pour le Red Shop,
Parfait. Oui, non, mais j'ai 3 pièces. Donc, oui, cave 2, je perds pas d'étage en passant d'abord par les caves. Faut juste que j'oublie pas de retourner après dans les mines. À faire le con, quoi. Ah oui, cave 2, into mine 2, pas de XL garanti. Ça, c'est fort. Il est temps de théorie crafter. Pas clair ça. C'est nul à chier, mais c'est là. Attendez. Est-ce qu'on en lancerait pas une tout de suite là? Ah, mais je peux pas ici. Ça a le mérite d'être clair. De la... Moi j'aurais bien essayé au-dessus de la challenge room. Et en plus on ouvre la possibilité. Ah mais on peut pas. Pas d'ici en tout cas. Ça ouvre? Non ça ouvre pas hein. Chose. Voilà. Ok, la secrète est en haut. Nickel. Et énorme. Ah oui, du coup, je rejoins... Pourquoi pas. En bas du shop, non, tout simplement. Oui, item martyr, c'est huge en vrai. On peut pas en bas du shop. Ah, c'est que c'est la secret. Ouvrir à côté de la challenge. À droite du shop, je peux. Pourquoi en bas, je peux pas? Parce qu'il y a la secrète. Il me faut 2 bombes. Hein. Au-dessus du shop. Si tu peux pas en bas, la ultra secrète peut pas être en bas à droite. C'est en haut.
J'en ai plein le cul de ce truc. Ok. Pas de problème, pas de problème. Ah oui, putain, il me donne la frame d'incivité, Dieu merci. Oh. J'ai plus que deux bombes, faut que j'arrête un peu de faire le bouffe. Même si je veux acheter item martia. J'accepte. Mais le con ! Je fais n'importe quoi ! Je voulais attendre le dernier moment et essayer de les choper alors qu'on s'en fout, je les tue comme ça tranquillou ! Idiot ! Bête ! Je suis dans la merde. Ah zut, du coup j'optimise pas ma batterie, dommage. Con ! Oh non, stop ! Stop ! Putain, mais c'est pas possible de perdre tout son cœur noir, espèce d'abruti ! Merci à tous. Deux HP sur pin ! Non mais c'est du jamais vu, deux HP sur pin. Ça relève presque du génie. C'est honteux, quoi. Oui, je pense aux bombes. Non. Ah oui, peu importe. Vous êtes prêts pour le red shop ? Changement de programme. On va faire un méga sat. Putain, mais je suis sorti du 13, du 12x12 là, 13x13. Mais je suis con en plus, si je regarde la carte, je sais. Si j'avais regardé la carte, je peux savoir si je fais de la merde ou pas. Si la salle, elle apparaît pas sur la minimap, ça veut dire qu'on sort. Mendiant pour une carte de TP, bah il ne reste plus que ça. Hein. Putain mais du con. J'en ai marre de faire que de la merde. Vas-y, vas-y, file-moi une carte. Au fond, je suis au fond. Putain mais quel abruti quoi. By the way, j'ai toujours pas affronté d'ange. Là, normalement, c'est obligé. Moi, je dis en bas du en bas de l'item room. En bas de l'item room, il y a zéro embrouille. Même pas l'ombre d'un doute, si vous voulez. Alors c'est très 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 fort.
Mais ça va nerfer mon tirade comme Jaja. Hein. Ah oui, je savais que ça allait nerfer mon tirade, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Aïe aïe. C'est un peu dur quand même. Hein. Je regrette. Ah, j'ai fait l'item room avant ça, item room first, excuse-nous chiche. Putain mais je suis écœuré. Je suis vraiment dégoûté de ce qui m'est arrivé là. Oh mais c'est où là? Oh la prise de tête. Mais t'es sur orbite pour faire Mother là. Ouais, il y a une clé dorée dans le sac, j'ai vu. Vite, c'est cette balle quoi. Au-dessus du shop, c'est possible, mais comment? Parce que pour moi, la curse room qui est petite, elle est hors sujet. On avait dit que les salles étroites, elles étaient hors sujet. Ah, pas le dessus de la curse. Ah. Merde, j'ai pas... Ah. Toujours plus. C'est évident que c'était pas là. Ah, visiblement pas pour tout le monde. Ça peut être la challenge room. J'en ai plein le huc. Hein. J'ai l'impression que chaque jour qui passe, on arrive à faire une VOD pire que la précédente pire. La dingue. Ça. Oh, le C-section, c'est un sacré nerf en vrai. Hein. C'est fou ça, non? Ah oui, non, c'est nul. Parce que j'ai pas de cœur rouge. Mais en vrai... Quand j'aurai un objet qui me sert à rien, au moins je pourrais prendre un cœur quoi. Ah mais il y a deux small... Ah non, il y a deux small permanent. Ah oui, quand je prends de la bouffe, je gagne des stats. Temporairement. Technique, hein. J'ai une initiation de Red Key.
Ah, j'allais dire en haut, mais pas du tout. Ah, c'est la super secrète peut-être? Non, ça veut rien dire. Mais c'est parce qu'on est à Dieppe. Mais non. C'est reparti pour des embrouilles. En bas du mini-boss. Ça se tient. Bien vu. Ok. Oui, tout spooky, c'est ok. J'avais envie d'un cœur, visiblement. Alors que tout spooky, c'était parfait, vu que je mets 8 heures à, 8 heures à charger mon tir. Non mais je suis fatigué, hein. Assez content de ce qui vient de se passer, en tout cas. J'aurais bien voulu ce tout spooky qu'on s'est fait chier à obtenir, hein, je rappelle, quand même. Je pense que j'allais faire Mother, quoi. La vie pue le sexe. Ferme ça. Pour qui du cul. Oh, c'est nul. Mais ça, c'est en prenant des cœurs. Je veux pas prendre des cœurs rouges. Et ça, ça troll la plupart du temps. Je vais vraiment prendre un HP up, quoi. Et ben d'accord que ça ne concerne que les cœurs rouges, l'Immaculée Conception. Des stats. Ah mais c'est le dessert qui donne des stats. Ah mais en fait quand ils disent plus un damage up machin, c'est temporaire. C'est parce que j'ai eu l'autre truc. Non. Comment ça non? Oui voilà, c'est exact. Ah, le tears up n'est pas temporaire. Jamais douté, hein. Vous êtes des génies. Putain, j'en ai sérieusement plein le huc. Une heure de run pour essayer de faire un méga Satan alors qu'on a pu faire Mother. Va à gauche, tu peux aller à Mother. Mais non, on a loupé les mines. Ok. Ouf. Vous êtes prêts? Attention, hein. Pas falloir cligner des yeux, hein. C'est probablement
Blood of the Martyr. Vise les tears up, oui j'avoue. Ah y'a moyen là. Merde putain, j'ai pas préparé, idiot. Ah bah non y'a pas moyen. Coup dur. Au bas de la sacrifice en vrai. Est-ce que je tenterai? Rangedown et tier down. C'est vrai que le PHD m'arrange pas grand, pas grandement. Hein. Squeezie nous intéresse. Hein. Gears up plus DA. Matchbook, ça va juste être des bombes, c'est zéro. Vas-y. Ouais, ça me donne un black art, mais je suis déjà à fond. Ah, le supper me donnerait un luck up et un tears up. Et ça, c'est forever, c'est ça? Ah ouais. Ouais c'est ok d'accord, le damage up est temporaire mais les deux stats up c'est forever. C'est nice en vrai. Fort ce truc. Bravo. Si en plus on prend le tears up de Squeezie, c'est juste que j'attends de voir ce qu'il y a dans le magasin quoi. On avait bien dit que la secrète elle peut pas être en haut hein. Ah non, dommage. Ah là mon C-section il devient sexy d'un coup là. Mother quoi. Ensuite on a eu C-section hein, quand on était parti de, hein, du chemin de Mother, mais hein, j'ai quand même le démon. Sacrifice pour augmenter l'échange d'Angel Room. Ah, damage up forever et range up. C'est incroyable. Ouais vas-y. Parce que là mine de rien, il y a ce health up là, donc un cœur, ici deux cœurs. On a un troisième cœur. Non, on a Squeezie. Ah, mais Squeezie, j'ai besoin d'argent. C'est le problème.
Mais ensuite, si je gamble vraiment hard, j'aurai ou les pièces ou les cœurs. En vrai, c'est worse, hein, je pense. Oh putain, j'aurais dû garder mon objet qui me donnait de l'argent quand je me prenais des dégâts. Sage. Deux fois au-dessus de la sacrifice. Putain. Tease mon objet. Hein ? Ah oui, parce que j'ai été martyr, c'est vrai. Ensuite, on a trouvé ce qu'on devait trouver, hein. Mais est-ce que je... Mais du coup, j'ose plus aller à droite. Ah si, regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la bêtise que j'ai fait la dernière fois. Quand je me suis fait glitch room med. Parce que là, typiquement, si j'utilise là. Voilà, la salle, vous voyez. La salle que je viens d'ouvrir à droite est présente sur la minimap. Pourquoi il me l'a enlevé? Fallait que j'entre tout de suite? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? Bon bref, si elle apparaît sur la carte, ça veut dire que j'ai le droit d'y aller. Ah, fallait une bombe, c'est ça? Ah mais attends, mais là, il va me baiser? Ok. Bref, tout ça pour dire que... Mais je crois qu'il y avait des règles pour le Red Shop aussi. Bref. Mais la bombe, je pouvais l'utiliser tout de suite ou il fallait quand même Red Key avant? Parce qu'il m'a mis la porte. Ah putain, ça se trouve, il n'y avait pas besoin. Ah, fait quand même Red Key avant. Un cœur ici. Ok, bon, on va se faire cette sacrifice room là. Après tout, on en est qu'à 1h05 de run. Quoi, mais il est midi? Putain, je pensais à faire mon bon petit tranquille, déjeuner ou dormir. Juste ma femme rentre là. Oh, ok. Ok, bro, ok. ...67% de chance, hein, bien sûr. 50%, ok. Attention, 67% de chance. Ah. Attention, maintenant... ...la moula. Pas du tout l'impression de m'être fait baiser BZ. Ah, la red key. Ah, oh, ouais, j'ai oublié la red key. Putain, oh merde. Vous avez raison. Surtout que là, ça va être extraordinaire. Accrochez-vous. Hein. Cauchemar. Allez, 50-50, 7 soul hearts ou des pièces. Let's go. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je vais faire Méga Satan tout de suite? Ah oui. Oh là là, oui. Oh ouais, en vrai. Oui, je vais prendre Squeezie et compagnie, mais... Ah, c'est 50% de chance, c'est même pas sûr. Ah, c'était pas 100% avant?
Fais le boss avant, au moins. Non mais vous êtes vraiment des trolls, hein. C'est très très grave. Hein. Ok. Il me semble qu'avant c'était 100%. Hein. Je vous dis, hein, plus le jeu il avance, plus c'est de la baise. Ah, pas mal ça. Donc si je ne m'abuse, il y avait ça déjà. Ah non, je l'avais pris finalement. Je l'avais pris tout de suite. My bad. Ah oui, mais il y avait le shop. Ah, intéressant. On aurait plus de tiers up avec le diner. Le dinner. Mais shot speed, c'est pas super intéressant avec un truc comme C-Section. De toute façon, je vais prendre Squeezie. Je crois que j'ai des cœurs ailleurs. Hein. Ah, c'est pas clair. Peut-être le dinner qui est le mieux. Parce que j'ai un cœur ailleurs, je crois, oui. C'est le dinner qui est mieux. Ok. Oui, on peut aller prendre le négatif, c'est pas faux. Ou le non, le Polaroid d'ailleurs. Bien sûr. Plutôt le Polaroid. Ici, on avait le Rotten Meat qui me donnait un dégât et du range. C'est parfait. Il faut chercher The Fool. Faut trouver le crâne de ses morts. Et il est là. J'avais pas la TP en sacrifice, si, mais je vais prendre le Polaroid. Comme ça, dès que je me ferai toucher, j'aurai le shield et on sera vraiment intuable. Pas d'embrouille. Et en plus, on a la Godroom. C'est pas beau? Que je voulais. Ah, j'avais oublié que j'avais ce truc là, alors que The Soul ça déviait les balles. Oh, fatigué, hein, je suis fatigué. Ok. Quand même gagné 0-0-1 de tiers up, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, qu'est-ce que je dois faire avant de partir? T'en fous là, on y va. Hein. De toute façon, on a le Polaroid maintenant, il peut. C'est fait, quoi. Oh, le 50%, ils vont me baiser. Oh là là, Alors, ah oui, non, d'accord, c'est juste on. Oui, c'est vraiment. On se fait baiser. Ah oui, non, je peux pas retourner prendre le Soul Heart. Ok, merci. Non, parce que comme ça. Voilà. Parce que la vidéo, elle fait déjà 1h11, on sait pas quoi. Oh, il y a des choses. Oh là là. Je peux avoir des petits fœtus qui tireraient mes petits fœtus. Tout est fou là, mais le problème c'est qu'il faut que je pense à ma vie aussi. Mais ça c'est dingue, ça c'est dingue, ça c'est dingue. Ensuite Death Touch C-Section, il n'y a pas de synergie je pense. Non mais Twisted Pair ça doit être incroyable, hein. J'y vais. Hein. Allez, non,
Faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête. Faut juste que ça s'arrête, Soren, en fait. Ok. Des vacances, hein. C'est dommage, hein, ça aurait été super drôle de voir avec Twisted Pair, parce que les deux incubus collés à moi, qui allaient aussi balancer du triple C-section, ça aurait été très spectaculaire, mais bon... Trop fatigué pour me rappeler à chaque objet que j'essaie de break de mort. Fallait que je fasse gaffe. Oui, bon, d'accord. Un délire, on a déjà fait. Ça aurait été extraordinaire. Allez, allez, faut arrêter, monsieur. Mitigé. Encore un run mitigé, hein, j'ai envie de dire. Mais une victoire tout de même. Et j'espère que vous avez apprécié apprendre le fonctionnement de la Red Key. Des bisous, YouTube.